Wow, salut! Wow, c'est le matin aussi pour moi. Hachi, alors 16h05 presque ici, comment vas-tu? Putain, j'ai des soucis là du côté de la station. Au secours! Le bonhomme, oui. Il n'y a que lui qui va bien, on dirait. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Là, depuis quelques jours, là, j'ai des soucis sur la station. Je suis obligé de fonctionner sur la boîte d'accord. Il va falloir que je contrôle tout de A à Z. Même monter en haut de mon mât de télé, hein, pour aller voir ce qui se passe là-haut aussi avec. J'ai un mélange de alors j'ai du tos. Bon là j'ai la boîte d'accord, donc là ça se voit pas, ça maquille. Alors hier j'avais un tos de 1,5, aujourd'hui ça passe à 1,7. Visiblement j'ai un problème de masse, puisque là j'ai un bon retour là qui se fait dans le haut-parleur. Alors attends que je regarde. Ouais, j'ai un bon retour un problème de masse, oui, j'ai un bon retour qui se fait dans le haut-parleur, mais bien plus que d'habitude, hein. Là, vraiment, je sais pas, je comprends pas. Bon, je verrai ça, peut-être demain, je sais pas, ça va dépendre du temps. Non, non. J'entends quelque chose qui n'est pas d'habitude là, en fréquence, mais c'est vrai que le signal n'est pas dans le maximum. Ben oui, non, mais je suis pas étonné, hein. Il y a. Attends, je m'éloigne. Non, c'est pareil, il y a quelque chose là qui va pas. Ça. La station est en train de partir en cacahuète. Voilà, la propague a baissé d'un coup là. Ah, ça remonte un petit peu. Ouais, il y a quelque chose qui déconne. Je sais pas, je comprends pas ce que c'est. J'ai modifié mon branchement du poste pour le mettre en direct à l'antenne. Pour voir, ah ben pour le coup là c'est pire. J'aurais dû laisser les accessoires entre, hachis. Mais non là je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai fait aucune modif dessus, rien. Donc ça doit être, il doit y avoir de l'oxydation qui s'est glissée quelque part ou je sais pas. Ou peut-être de la flotte dans la self de l'antenne. Je sais pas, ou peut-être simplement, puisque bon, j'ai une PL coudée là derrière le poste, peut-être que c'est elle qui fait la con. Faut que j'explore centimètre par centimètre. Enfin, mais faut te dire pouce par pouce. Eh bien, attends, je relâche. Alors voilà, là je suis à allez 1,7. Ah bah tiens, j'ai plus de retour. Ah bah d'accord. J'enlève la boîte. Ah si, j'ai toujours un retour assez important dans le haut-parleur. Là, j'ai 1,7, 1,8. Ouais, alors quand j'enlève la boîte d'accord, là, je me retrouve avec 1,7 à 8. Alors qu'avant ça, j'avais 1, voire 1,1. Oh.
Bon, ben, parce que là, moi, je vais regarder les messages sur Internet. Mais qui sont ces kilomètres? On n'entend que ça là-dessus, les kilomètres. Il va falloir que je vois de plus près parce que ça m'intéresse. Comment je fais pour trouver, pour avoir un indicatif kilomètre? Wow. Wow, ça monte. Bon, en tout cas, j'ai... C'est bien ça, je crois que je joue les inspecteurs mènent l'enquête. Comment c'est déjà? La bande dessinée avec l'inspecteur. Inspecteur Gadget. Ouais. Ouais. Enfin, qu'il l'apprivoise, qu'il règle du mieux possible. Alors Gilles, les deux boutons en bas à gauche, tu les mets au maximum. Celui qui est en haut à gauche, sous le NEM 1031, allez. Tu le mets autour de la LED verte ou jaune qui clignote, dans ces environs-là, après avoir suivant le poste. Le petit, le blanc qui est à droite,
La sous marquée BHI. Allez, pour commencer, tu mets sur 5. Après, tu vois plus ou moins, suivant ce que ça donne de ton côté. Là, comme tu entends dans la vidéo, je suis déjà sur la position 5. Si je le coupe, j'ai fait l'essai là tout à l'heure. Voilà. Donc chez toi, ça doit être pareil aussi. Peut-être plus. Plus qu'à voir dans ces vidéos ce que ça donne. Ouais. Wow, ça baisse. Gilles, mets ta puissance. Commande de la propague. T'es juste au-dessus du QRM. La boîte d'accord sur celui-ci fait RX-TX. Après, c'est une question de réglage à l'intérieur. Mais elle marche dans les deux sens. C'est l'avantage de la version AT. En tout cas, avec son filtre DSP BHI, il va falloir qu'il réapprivoise l'écoute. Bon, j'y pense, c'est vrai que j'ai pas mis le web SDR de ta voix avec. Oh, ça passe pas dedans. Ah, si, mais QRP.
Wow. Ouais, c'est pas top. Bon, en tout cas, ça va bien de son côté. Je ne sais pas si ça m'aurait à repasser le micro, Gilles. Si je surmets quelqu'un, désolé. Mais c'est pas évident de mon côté, hein, la réception, la propague. Bon, le WBSDR, c'est pas la peine. Ça fait caca, folie, plus qu'autre chose. Non, pas cacophonie, ni cacophonie, mais du QRM plus qu'autre chose. Là, ils sont entre stations locales. Hein. Alors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos là, de Gilles. Elles sont vraiment très bien. Alors, c'est... Oh, ça remonte. Je suis ému, Claude Pierre.
Et puis à un moment donné, les conditions volaient. Ouh, ça marche bien. Putain, pas moi. Les 73 et 1000 sur la Normandie. Les 73, la division 16, 14 km, 33-01, sud-ouest de France. Alors, si j'ai pas compris. Désolé, Gilles. Oups! Pour le coup, il va plus lâcher le micro. Ok, merci pour le retour du micro. Alors, j'ai écouté du côté du web SDR. Aujourd'hui, c'est même pas la peine, j'ai que du QRM dessus. Donc là, je suis uniquement sur l'écoute du poste et j'entends que toi. Que toi et puis mon problème au niveau de la station. Bon, en tout cas, j'espère que de ton côté, ça se passe bien avec le filtre DSP. Je découvrirai ça dans les vidéos. Et puis, à voir pour les réglages. Je pense que là, ça doit être tout cuiro, là, maintenant. Là, je vais pousser le filtrage. Là, je suis à 7. Ah, c'est peut-être un peu trop, là. 6. 5. 4. Ouais, je reviens à 5.
Là, il va y être H24 là. Pour la petite anecdote, après quand je rallume le poste moi dans la voiture, waouh, ça me fait bizarre. Ma première réflexion c'est oh, il manque un DSP derrière. Quoique pour en voiture, il y a des haut-parleurs et que DSP intégrés. Hein. Bon, les réglages sont limités uniquement au bouton 5 ou 7 positions, je sais plus. C'est limité au niveau réglage, c'est limité juste à ça. Mais vu les retours, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Là, avec le BHI M November Echo India Mic 1031, bon, là, c'est un peu plus complet en réglage. Mais vu la bestiole qui fait, qui doit faire la largeur d'un poste, oh oui. Oh oui, il doit faire la largeur de ce poste facilement, oui. au niveau longueur. C'est sûr qu'on ne met pas dans une voiture, celui-là. Alors, au niveau alimentation, au choix, comme il y a marqué dessus, 12 ou 24 volts. Alors, il y a la nouvelle version hein, qu'on trouve depuis quelque temps sur Internet. Hein. Et là, le bouton 7 positions que j'ai dessus, pour le coup, est passé à 8 positions. Donc, il y a eu une amélioration quelque part à ce niveau-là. On fait une partie de yo-yo. Un beau filtre maintenant. Tu peux filtrer les stations. Ah ben non, il n'y a que les stations qui passent pour le coup. Jean-Marie, sur Poitiers, mon ami Cécile,
C'est le 9 février au Charlie 555 sur le Québec Gilles. C'est celle en 14 Victorina dans 752. Et 73 le petit renard. Oh merde, j'ai pas écouté. Oui, la station est décalée un peu en fréquence, qui vient de se signaler. 1460-0083. 1460-0083. C'est que quand il y a trop de monde d'un seul coup, ça fait des nœuds dans sa tête. Les neurones, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Hachi! Directive.
La fin de semaine, là, c'est les crêpes, là, surtout le dimanche matin, là, le dimanche matin, là, des fois, une crêpe au sirop d'érable, là. Mmh, oh la vache! Oh, monsieur! Ils bouffent là-bas des crêpes au sirop d'érable. C'est bon, ça! Bon, Gilles, il est 16h55 ici. Allez, dans 5 minutes, on est chez toi. Prépare la pâte à crêpes et le sirop d'érable. C'est pas tombé dans les rides, ce bon. Alors, grand soleil pour nous et 14 degrés. Oh là, c'est parti, hein. 17h, ça c'est pour mieux remonter après. Ça remonte, c'est bien ce que je disais. Oh, ça a tourné du mien. Les 73-51, le petit renard d'Andy 33, 14 km 33-01. Là, tu es sur directive et ça se voit. Mais tu m'arrives quand même, hein. Ta bouette sur directive, je t'entends quand même. Ah zut, le temps de me recaler, enfin au niveau du clarifieur, je veux dire, du coup j'ai pas eu Roger. Ok, merci. Les 73-51, petit renard. Ah oui, ça change, hein, dès qu'on se met sur vertical. Hein. Mais sur la directive, je t'entendais quand même. Hein. Mais bon, très QRP, mais ça passait quand même. Hein. Alors, comment vas-tu? De mon côté, c'est un grand beau soleil et 14 degrés. Oui, là,
c'est mieux, en vertical, vertical, ouais, d'accord. Tout va bien, de mon côté, avec beau soleil aussi, même température de toi, c'est bon, impeccable, on en profite. Hein. Voilà, voilà. Et Isabelle qui t'a repassé le micro et t'a pas repris, pourtant tu devrais l'entendre là. Je vais repasser à toi, Isabelle. Là, il y a Isabelle. Ouais. Ça passe pas, je sais pas, il est loin, peut-être il est pas chez lui, il est peut-être en mobile. T'es en mobile, Rémi? Non, non, je suis au QRA, mais j'ai pourtant monté le volume aux deux tiers, mais ça, j'ai rien qui est passé. Si tu entends quelque chose du bruit dans ma station, c'est normal, je sais pas ce qu'il y a. J'ai l'impression que la station a dû attraper la grippe. ça décolle plein tube. Oui, la grippe ou le coronavirus, ouais, je m'entends, mais toi tu l'entends pas, bah, ouais. C'est bizarre parce que bon ouais, ça passe bien pas de mon côté là. On va envoyer tout ça à Gilles pour essayer d'écouter tout ça là, Gilles, à toi. À la vidéo est là pour montrer. Après, toujours Rémi, quelque chose pour le jour qui fait comme je sais pas c'est quoi, mais je t'entends. Pour t'entendre, je t'entends, il n'y a pas de problème avec ça. La station Isabelle, c'est pas assez fort là, de mon côté là. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Oui. Elle est en mobile. Mobile arrêté, là, comme cela. Sud-Gironde. Oui, Gilles, elle est dans la couche arrêtée, là, voilà, tu vois. Pour elle, c'est tout petit aussi, hein. Signaleur Radio 3, tu es seul, Gilles. Oui, je l'ai entendu, là. Isabelle, je ne sais pas si c'est terminé, il y a une station qui tourne module là. Il y a une station qui tourne module là, à WX ici, moins 4 degrés là. Moins 4 degrés sur le Québec-Canada, avec du soleil. Mais ce soir, il va faire très très froid, et puis demain aussi, le clétal. 59 plus 10, 59. Pourquoi plus 10? Ah oui. Rémi, il a envoyé le micro, Rémi. Putain, mais c'est hallucinant ça, j'ai rien de mon côté, il n'y a rien qui passe. Par contre, Gilles, 59, hein. Oh la vache, il m'est passé pour. Il m'a. Ah ben c'est pas compliqué, le son a été tellement fort dans le haut-parleur que j'en suis tombé de mon siège, quoi, tellement que ça m'a poussé. Quoi. Bon Gilles, puisque ça passe aussi bien, ça va avec le filtre DSP, ça se passe comme tu veux. C'est non, mais c'est j'ai un problème chez moi, je sais pas ce que c'est, hein, je me retrouve avec un TOS de 1.7. J'ai dû enclencher la boîte d'accord pour combler ça, pour régler ça. Et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Il va falloir que je démonte tout pour tout fouiller, ça, voir où ça déconne. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'APL coudée derrière le poste, ça peut être du côté de l'antenne, j'ai aucune idée, c'est arrivé d'un coup comme ça, quoi. C'est, je sais pas. Rémi, t'es sûr que t'as branché l'antenne? Ah ben si on me le dit pas aussi, quoi. Non mais vraiment, il faut vraiment compter sur tout le monde, hein, c'est... Si on me le dit pas qu'il faut brancher une antenne aussi, quoi, je peux pas le deviner, moi. Ah, chie trois coups. Ça grince pas mal parce qu'il y a plus fort, ça voit, ça modifie la pression, hein. Ça reste pas, je. Ouais, c'est pas bon du tout, ça surprend, comme tu as dit, beaucoup de TOS. Voilà, voilà, à voir, surtout les montées, voilà, j'ai remarqué aussi, à toi, Gilles. Oui, c'est la boîte,
Attends, je regarde. Non, non, c'est bon. C'est bon. Je suis bien. L'alimentation, elle est bien comme d'habitude. C'est. Je sais pas. On dirait. Puis en plus de ça, j'ai un espèce de retour. Tu l'entendras dans la vidéo. J'ai un espèce de retour là dans le haut-parleur. C'est. Alors, attends, je m'arrête de parler. Je relâche pas le micro. Ouais, boum, 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 ça fait ça derrière. C'est, je sais pas, ça... Oh, j'ai compris, quoi, le poste, le Yazu, il a chopé le Covid. Oui, Rémi, je confirme, ça fait quand tu parles pas, quand tu laisses le micro appuyé. Oh, 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 pareil. Et oui, alors que là, il y a quoi? Il y a uniquement l'alimentation, le poste, l'antenne. Je vais des accessoires de branchiantre, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est comme à l'origine, comme quand j'ai réglé l'antenne le premier jour, il y a 14 ans de ça. 13-14 ans de ça. Et puis là, paf, d'entrée, là, ça s'est mis à déconner, là, depuis quelques jours seulement, hein. C'est, je sais pas ce qui se passe. C'est, ça a chopé le Covid. Ouais, je confirme, certainement, ça a chopé le Covid, là. La radio, ça marche parfaitement bien, des années, puis aujourd'hui, ça marche plus. Voilà, cherchez l'erreur à toi, Isabelle. Là, j'ai poussé à 7. Non. 6. Non plus. 5. Ça a baissé. Oui, il va falloir que je regarde tout de A à Z. Hein. Là, tous les connecteurs, tout ça, va falloir que je contrôle tout ça. Quoi. C'est clair. Hein. Donc là, heureusement que j'ai la boîte d'accord là, qui fait le travail, qui fait le job. Parce que là, sinon, tant pis pour aujourd'hui. Hein. Par contre, là, ça me flanque un problème de masse, on dirait. Pourtant, c'est bizarre. C'est bizarre parce que la station est à la terre, l'antenne est à la terre, mais bon, il y a un truc là qui déconne plein pot. Et en plus de ça, je suis en train de passer dans le caisson qu'on a au niveau de la télé. Quoi. Oui, je sais. Il faut que tu sois toi aussi à terre, c'est branché à terre. Non, je suis à la masse. Alors c'est pas bon, vous savez peut-être de ça. Faut pas me chercher comme ça. Bah, tu vois, j'ai réussi à te faire rigoler, c'est bon, ça a bien marché à toi Isabelle.
sais que ça, Isabelle, c'est sûr. Voilà, en plus, c'est pas évident, et t'as pas une directive, moi j'ai une directive. Non, pardon, maintenant. Oui, le DSP du propre poste. Pourtant, il est très complet. Hein. Mais il n'a rien à voir par rapport à l'autre. C'est étonnant quand même sur un appareil comme ça. Parce que si je coupe l'autre. Voilà. Et puis la propagation, elle est moins forte que certains jours. Hein. Voilà. C'est pas une grosse propagation aujourd'hui. Là. Voilà, pour tomber sur le journée, il y a une grande propagation du côté du Québec. Là, et ça va faire beaucoup mieux. Voilà, j'appelle à toi, Gilles. Oui. C'est pour toi le micro si tu veux le reprendre, moi. Oui, qui est pour voir vrai Google, qui était derrière, dans tout vrai Google, est-ce que vous êtes toujours derrière? Question Google, c'est bien. La question pour le GSP. Là, c'est en train de partir, là. 17h20.
Ouais, moi aussi, Gilles, hein, je passe en QRT. Il est 17h20, je pars bientôt. Les 73-51, Gilles, à plus tard. Et pour la station, pour demain, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai aucune idée. Là, tout dépend de la station, là, maintenant. Ok, ça marche, 73-51, à plus tard. Il entend mieux, c'est sûr, parce que vu comment c'est petit. Hein. Alors déjà, je ne sais pas comment il fait. C'est comme, je crois que c'est sur la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Je l'ouvre. La vidéo d'hier, oui. J'écoute. Rien. Puis paf, il me sort encore un indicatif du chapeau. Et un OM justement du Québec. Et c'est qu'après que j'ai réussi à l'entendre, mais avant ça, il n'y avait rien. Et lui, paf, il lui répond. Wow! Ah, ils se sont peut-être contactés par transmission de pensée, et puis paf, il a retransmis comme ça à la radio. Oh, attention, le Québec-Canada pour 14 km 33-01 mobile. C'est pas moi.
Il va l'user son filtre DSP. Il va l'user. Peut-être dans la voiture, ça va très bien. Comme je disais tout à l'heure. Attention 9, bravo Charlie 555, pour 14 km, 3301 en mobile. Alors 18h29. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 en mobile depuis Saint-Émilion. Elle est la vache folle. Chez lui, eh bien, il est midi et demi. Eh, tu casses la coupe cordre. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km, 3301 Rémi. Alors, aurons-nous droit à un joli coucher de soleil ce soir? C'est bien parti pour moi. Bien parti, pas pour. Ah, zut. C'est tellement brumeux au fond que. Ah. Sinon, je me serais arrêté et j'aurais pris une petite photo pour l'XYZ. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km, 3301 Rémi depuis Saint-Émilion.
si un jour vous venez à Saint-Émilion, attention ici, personne ne respecte rien. Et là, le terrier derrière moi, il s'est retrouvé tout surpris que je me sois arrêté. Il a failli me rentrer dedans. Moi. Attention, 9 bravo Charlie, 555 Gilles. Attention, le Québec-Canada pour 14 km, 33-01 Rémi depuis le sud-ouest de France en mobile sur Saint-Émilion. Alors là, ça s'est fermé de mon côté. Si quelqu'un sait d'où ça vient, qu'est-ce que c'est au juste ?